Salut les jeunes, on se retrouve pour la petite review du second épisode de All Out. Et comme précédemment, on commence par un petit résumé. Ouais, enfin petit... Et tout d'abord, on retrouve nos 4 gars. On nous en présente quelques autres comme Oharano, voilà, mon texte est ici. Oharano, demi-ouverture, que j'ai quand même bien envie d'appeler Lionel. Il y a également Ohakari, la manageuse. Ça sent bon le tuteur à Muguet, tout ça. Et on apprend aussi que l'équipe n'a pas d'entraîneur, elle est en autogestion. Alors là, je vais faire appel à votre culture rugby, il me semble que le Stade français, ils avaient fait ça en 2003. Mais je suis pas sûr de mon coup, sur ce coup-là. Les novices sont mis à part et font du ballon, et ils s'entraînent avec le ballon avec Hachi Oji. Il n'y aurait pas moyen d'envoyer les bleus aussi? Je demande, hein, on sait jamais. Parce que bon, vu que c'est au Japon en plus, enfin bref. Mais notre héros, Kenji, lui, ne pense qu'au plaquage. Eh mais il est tongien en fait. Mais il se fait reprendre par Johan, les anciens, le respect, tout ça. Qui devant l'insistance du gamin, lui lance un défi. Un défi très simple, hein, Kenji devra le plaquer. Mais Johan, il fait le bonhomme, il lui met une percue à l'épaule d'enculé, rien à branler de son âge ou de son niveau. Du coup, Kenji se retrouve à faire la tortue. À quatre pattes. Alors ok, c'est hyper tendancieux dit comme ça, mais en fait c'est un genre de gainage. Et il en chie comme un rat. On le retrouve donc, 3 heures plus tard, à la fin de l'entraînement, complètement rincé. Bon, le Johan, il lui a promis de le plaquer 5 fois à chaque entraînement s'il se tenait à ce petit exercice. Bon, il en reste plus que 4. Mais bon, là, l'y rincer, il n'y aura rien pour aujourd'hui. Feignasse. Aux entraînements suivants, c'est la même chose. Kenji fait la tortue pendant 3 heures avant de vainement tenter de plaquer Johan, qui se débarrasse de lui comme Julian Savea s'est débarrassé des défenseurs français en 2015. Un peu plus tard, le soir venu, Kenji dit à la grande blondasse qu'il a enfin pigé le secret du plaquage. Ah, parce qu'il y a un secret du plaquage d'un seul coup. Et tout ça en observant les autres s'entraîner. Ce fameux secret, c'est que le dos doit être le plus horizontal possible. Putain, mais d'où ça sort ces conneries? Bon, il dit aussi que pour faire tomber Johan, ça va pas suffire. Comme il y a qu'en forgeant qu'on vient forgeron, tout ça, il décide de s'entraîner avec la grande asperge. À l'entraînement suivant vient donc le moment où Kenji va devoir plaquer Johan, qui me fait de plus en plus penser à un croisement foireux entre Mark Landers et Ikki. Lequel Johan, bien que toujours debout, est impressionné par les progrès du jeune. C'est alors qu'à la dernière tentative du jour, la 5ème donc, Kenji tente la légendaire technique du plaquage au tibia. Technique dite de la faucheuse, ce qui fonctionne évidemment devant l'assistance médusée. Il a sûrement eu l'impression d'inventer l'eau tiède, mais bon. Il dira même avoir joué le mind game en foirant volontairement le 4ème essai pour que Yo-Yo relâche son attention au 5ème. Et mon cul, c'est du poulet? Mais enfin bref. Ah, et au Japon, ils ont pas l'éponge magique, mais ils ont la bouilloire magique. Ah non, mais c'est pareil, hein. C'est de l'eau froide en fait. Hein. Ah, minna yakan no mitsu abiruto genki ni narun da yo ne. Dakara maho. Nan nan da yo, kusso. Ensuite, on nous annonce pour le samedi suivant un match d'entraînement ou d'exhibition, j'ai pas trop compris, contre un lycée apparemment très fortiche. Et là, tadam, le point rugby de l'épisode, on nous explique brièvement, mais alors vraiment brièvement, la différence entre les avant et les arrières. C'est assez dégueulasse à en dire un PowerPoint le truc. Et du coup, ce bon Kenji se voit proposer le poste d'ailier. Ce qui le fait aussitôt entrer en concurrence avec un certain Ibumi, qui m'a l'air d'être un sacré numéro. Pour ne pas dire un sacré connard. Notre grande asperge, par contre, se sent toute chose. Et oui, car c'est l'équipe de son cher Miyuki que le lycée va affronter. Et ouais. Fin! Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, on continue les présentations, déjà. C'est quand même important dans une série. Voilà. Souvent, le pilote, en fait, il se prolonge sur plusieurs épisodes. Hein. Y a pas véritablement un épisode pilote, on peut même parler parfois d'un arc narratif pilote. C'est plutôt ça qui se fait réellement. Ensuite, en ce qui concerne le rugby, bon, on voit un petit peu de ballon. C'est un petit peu plus le vif du sujet, mais on voit quasiment pas de rugby. Hein. On voit quelques plaquages, quelques passes. Alors, c'est vraiment du vite fait. Les nouveaux personnages sont assez vite expédiés. Les anciens, ceux qu'on a connus dans l'épisode d'avant, sont un tout petit peu plus approfondis. Mais c'est light, hein. C'est très 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 light, on n'en sait pas beaucoup plus. Bon, on verra comment un petit peu les choses se présentent et évoluent par la suite. Mais c'est vrai que là pour l'instant, on connaît encore assez mal les personnages. Il y a quelques noms qui s'ajoutent à la liste. Et on peut supposer que voilà, sur les épisodes qui viennent, ça va s'approfondir. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Mais voilà, les épisodes font une grosse vingtaine de minutes.
il n'y a pas le temps de mettre grand chose hein, finalement dans ces épisodes. Et donc forcément, ça passe très vite. Alors c'est pas inintéressant. Bon, le coup, les fameuses techniques du plaquage, bon, ça m'a fait plutôt sourire. Le plaquage au tibia, bon, c'est assez marrant. Quand on voit qu'on vient beaucoup au plaquage à deux dans le rugby professionnel, dont un plaquage en haut, un plaquage en bas, hein, la double lame, la cisaille, pour éviter et que le joueur avance, plaquage aux jambes et qu'il passe le ballon, plaquage sur le haut du corps, c'est ça l'intérêt. Voilà, on n'est pas encore là, hein, je pense que ça viendra plus tard, mais bon, ça fait un petit peu, voilà, attaque de shonen, c'est assez marrant, quoi. C'est assez marrant. C'est un petit peu pareil quand j'avais regardé un tout petit peu High Shield 21. Bon, on est quand même dans des choses, en plus au niveau du graphisme, c'est pas complètement différent non plus. High Shield 21, c'est sur le football américain. Hein. C'est un petit peu pareil. On va voir pendant les matchs si ça ressemble un petit peu à ça. On verra bien, mais c'est pas complètement inintéressant. Mais bien sûr, on a toujours un mec qui n'y connaît rien, qui va devenir le champion de l'équipe. Hein. On sait déjà où ça va. On sait déjà où ça va. Voilà ce que j'aurai à dire très brièvement sur cette émission qui, j'espère, sera un petit peu mieux, plus agréable à regarder que la précédente. Voilà, j'utilise la petite action cam, c'est les cross tours, vidéo non sponsorisée, mais bon, on aimera bien. Donc j'utilise même le téléphone pour faire le retour, c'est quand même pas trop mal foutu en wifi, c'est quand même assez stylé. Bon, les perspectives sont un peu bizarres, etc. En plus, on voit tout le bordel que j'ai laissé. C'est fabuleux, bon écoutez, hein, vous êtes ici chez vous finalement, voilà. Sur ce, je vous dis donc, et bien au prochain épisode. Ciao.